tous les jours sur Zoé Chanel, les témoignages. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Notre voisin, j'arrive au... Elle disait... Pour chanter. Je ne viens plus chanter, elle ne veut plus entendre l'histoire dans le quartier, que c'est elle qui se paye le quartier. Si vrai, le manteau de mes parents sont sur moi. Comme je rentre là, je vais revenir. Si tu ne confesses pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Papa, là où je vous parle, là, elle est devenue folle, juste là, elle s'est déshabillée. Hein? Elle s'est folle, totalement folle. Une fois que je faisais des songes, il y avait toujours une dame nue qui venait toujours venir avoir l'air avec moi. Une dame nue? Oui. Et donc, cette nuit, je suis d'abord allée au village. Une tante qui a lancé une parole qui m'a marqué, mais je n'ai pas pris ça en mal. Donc dans les songes, je prenais mon beurre, cette femme voulait encore faire la même chose. Et puis je vois là le visage de ma mère, je dis ma mère est décédée. Je me suis réveillé et dis Seigneur, te voile qui est caché derrière ce visage là, parce que ce n'est pas ma mère. La Bible déclare qu'il est résolu à l'homme de mourir une fois après quoi après le jugement. Je ne traite pas avec les morts. Et quand je me suis endormi, subitement j'ai vu le visage de cette tante là, j'ai vu sursauter. J'ai paniqué, j'ai dit, attends, c'est une femme gentille qui nous accueille comment? J'ai dit, non, Seigneur, c'est pas elle. Je veux voir le vrai visage. Je me suis rendormie, vers 4 heures, c'était toujours elle. Et j'ai compris que. Vendredi, que nous étions ici à la nuit de prière, je témoigne pour ma fille. Elle n'est pas venue. D'accord. Nous étions assises là. Subitement, lorsque le père a parlé, qu'on va démasquer nos ennemis, elle alors, elle a vu sa copine intime, que moi-même je prends comme ma fille. Elle a droit là. Qui apparaît là, tu vois seulement ma fille fait ça, après elle me dit ma Charlotte me dit qu'elle est venue enlever tout ce qu'elle a mis à moi, tout ce qu'elle a mis à moi. Elle avait une bosse interne ici, elle avait une bosse interne papa, oui. Ici à ce niveau on a dit que son père va mourir. Bon, tout le temps je priais seulement pour ça, elle a enlevé ça là, elle a enlevé la fille, sa copine a dit je retire, j'enlève, je te relâche ton mariage, je relâche ta richesse. Christelle, je te libère. Et elle est partie. Est-ce que vous entendez ça? La puissance de la prière, la gloire de Dieu, l'ange de Dieu a saisi son ami. Non seulement elle a vu son ennemi, mais son ennemi lui a rendu tout ce qu'il lui avait volé. Oh mon Dieu, célèbre Jésus. Oui, papa, là où je travaille dans une formation sanitaire, comme je suis déjà retraité à la fonction publique, on m'a encore recruté dans une formation sanitaire. Le médecin qui travaille avec nous, qui n'est pas le propriétaire de la formation sanitaire, tombe malade. Tout le temps, il me persécutait. Mais hier, non, avant-hier, il s'est alors soulevé. Il me dit le mal qu'il a aux yeux, c'est pas qu'il lui ait versé le feu. Là, il doit se faire opérer. Il a mal aux yeux, il a la tension, il est malade, il ne voit plus bien, il faut qu'on opère ses yeux. Je lui ai dit que le feu là, c'est le feu de Dieu. Là où je persévère. C'est Madame Hir. Je suis au Cameroun depuis... Madame qui? Madame Hir. Madame Hir. Oh, j'aime ça. Hir. J'ai épousé un Suisse allemand. Alors, je suis au Cameroun depuis 5 ans, je suis bloqué. J'ai parcouru partout et je suis venu à Réma par la radio. Alors, le vendredi, Dieu m'a visité. Je dormais. Et je vois Daddy et Mommy qui sont en train de me dire, c'est fini tes problèmes, tu vas rentrer en Suisse. Ils m'ont enlevé une pierre dans la tête. Et puis, ils m'ont enlevé un verre dans le ventre. Et après, j'ai eu une diarrhée. Je suis venue déclarer ça. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Allez récupérer votre mari là-bas. Avant qu'une de vos soeurs camerounaises ne fasse le sale boulot. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Dans mon lieu de service, je gérais une grande maison, une grande bloquante, vraiment de beaucoup de millions, je peux dire. Oui. Mais pendant les 2 ans que j'ai travaillé, je n'ai rien fait. Chaque fois que je faisais le boulot, soit je tombais malade. Ça fait 3 mois, même ici, on ne me voyait pas parce que j'ai eu un accident mortel. Là, c'est pas encore très bien guéri. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée sur la dalle, mes os du pied étaient dehors. Je ne parvenais même plus à venir ici. Donc, récemment, donc, quand on a béni les manteaux, j'ai amené le manteau là où je travaille. Parce que je ne parvenais plus à faire des ventes. Je place mon manteau devant la porte.
Et curieusement, j'ai commencé à vendre. Vraiment, c'est les ventes étaient supplémentaires. Et quand j'ai commencé à le faire, la propriétaire de la maison, qui est la maman de mes patronnes qui sont en Europe, a demandé qu'on libère sa maison. Sortir de ma maison, elle m'appelle même, Suzanne, tu fais quoi avec tes soeurs dans ma maison? Libérer ma maison. Bon, je suis restée. Et après la prière du dimanche, je suis rentrée. Dans la nuit, je suis couchée. Elle vient en esprit dans ma maison, j'étais couchée. Elle me dit, lève-toi, donne-moi ton oreiller là où tu es couché. Curieusement, quand j'ouvre l'oreiller, je trouve l'oreiller rempli d'argent. Elle a emporté tout l'argent. Quand elle voulait finir, j'ai pris un billet, j'ai jeté comme ça derrière mon lit. C'était un billet de 10 000. Après, je constate que c'est avec un 500. Je dis, mais elle emporte tout l'argent pour que je fasse comment avec des enfants. Quand je me réveille le matin, quand je me réveille à l'instant, même il était 1 heure ou 2 heures de la nuit, parce que je venais de faire la prière de minuit, j'étais en rage. J'ai prié, j'ai même parlé en langue ce que je n'avais jamais fait. Je suis rentrée. On a touché son argent. Immédiatement, elle a parlé en langue. J'ai touché des millions. Les gens ne jouent pas avec un cap. J'ai des millions et on vient m'appauvrir. Je suis arrivé dans la maison là où je fais des ventes. J'ai pris le manteau, j'ai trempé dans un seau d'eau. J'ai parlé, j'ai prié. J'ai récupéré tout ce qu'on m'a volé. Le même jour, j'ai vendu un salon de 600 000. Un petit commerce que je fais à l'intérieur de mes propres habits fonds de série, j'ai vendu plus de 70 000 francs. Donc, depuis lors, elle a insisté qu'on sorte. J'ai bien raconté le rêve là à sa fille qui est ma patronne aussi. Parce qu'il était dit qu'après la fin de l'année, on se sépare chacun de son côté. D'accord. Sa fille revient, elle me dit le lendemain, je lui ai raconté le rêve. Elle me dit, va nous chercher un magasin, transporte tout ceci, va mettre là-bas et tu vends. Mais curieusement, Dieu a décidé autrement. Quand je me relève le matin du lendemain, je trouve que mon fils Tino, qui est prophète à Ngaoundéré, m'a laissé la prière et le message que maman quitte la servitude. Ton temps a sonné. Vole de tes propres ailes, c'est ce que l'Éternel te demande. Donc demain là, je me sépare définitivement de cette femme. Je rends gloire à toi. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Ah oui, célébrer Jésus. Maintenant. Non. C'est bon, que Dieu vous bénisse à cause du temps. God bless you. Vraiment, c'est juste pour confirmer que la parole que nous prêchons, les prophéties que nous proclamons, s'accomplissent dans nos vies, dans nos maisons et dans nos familles. Maintenant, regardez, vous savez qu'il y a des personnes qui avaient des animaux mystiques dans leur maison en utilisant l'huile de faveur, immédiatement, tout a disparu, c'est parti. Vous avez aussi vécu ça? Que se passa-t-elle? De quoi s'agit-elle? What is it all about? Les serpents au-dessus de la moire. Les serpents? Le serpent. J'ai vu deux fois. Le premier serpent, c'était sous le moustiquaire des enfants. Le deuxième serpent, c'était au-dessus de la moire au salon. J'avais accouché la face par Zahen. Ça m'a fait une semaine. J'arrive à la maison, je suis au salon. Je suis assise au salon comme ça. Je vois comment le serpent monte sur la moire au salon. Moi, j'avais tellement peur. Depuis ce jour-là, il y a même aux toilettes comme ça, là, tu passes derrière, tu vois toujours les serpents passer. Donc depuis là, c'est maintenant avec l'huile de faveur, puisque ma grande soeur venait ici là, c'est elle qui est rentrée me dit que viens, on va prendre l'huile de faveur chez papa. Ça fait 4, presque 5 mois que moi je suis à Réma, puisque c'est ma grande soeur qui m'a amené. J'ai pris ma bouteille d'huile de faveur, j'ai prié sur l'eau, j'ai mis les gouttes d'huile de faveur, j'ai aspergé toute la maison, même au plafond. Wow. Parce qu'au plafond, quand tu dors la nuit, tu attends le bruit. Comme si quelque chose était en train de marcher sur le plafond. Quand j'ai versé ça, je dors la nuit, je rêve. Une femme, les femmes, les gens, un groupe de personnes vient me dire que hey, tu détruis notre maison de réunion. Hey! Une autre femme a décidé. Écoutez, attendez madame, vous comprenez? Ça, oh. Si tu ne crois pas en la sorcellerie, tu es fou. Don't believe in witchcraft, hein? You're finished. Ça veut dire que l'huile de faveur va troubler l'hôtel maléfique qui avait été établi dans sa maison. Amen. Jesus. Les femmes maintenant, le visage est révélé. Now tu viens, tu gardes nos choses au quartier. Ça veut donc dire que ces animaux n'étaient pas simples. C'était des animaux totémiques. Vérité.
Il y a plein de choses qui se passent dans nos maisons. There are many parfois things nous restons, ne faisons home. Rien. Sometimes to stay, we do nothing. Oh, ça va même. Oui. Quand la femme l'a dit comme ça, je me suis levé le jour là, j'ai prié parce que ma soeur m'a dit qu'il faut prier sur l'huile de faveur avant d'utiliser. J'ai prié. Quand j'ai prié, je me suis assis sur le canapé comme ça, j'ai dormi, j'ai oublié parce que j'ai tellement prié que j'ai oublié de dormir. Entre temps, c'est encore revenu. J'ai entendu que je dis que lève-toi, il y a les bandits qui sont encore chez toi. Je me réveille, je vois seulement comment les cafards entrent par la fenêtre. Plein de cafards venaient. Je suis seulement resté là mobile, j'ai seulement commencé à prier, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner, ne m'amène pas vers les méchants. J'ai commencé à prier, entre temps, après une heure de temps. Il ne faisait qu'entrer quand je priais, après une heure de temps, c'est encore fini. Le matin, j'ai encore mis l'huile de faveur, j'ai encore aspergé, je suis resté. J'ai encore dormi la nuit, une autre femme vient dire que même si c'est quoi, je ne peux pas quitter la maison. Elle a fui, elle est entrée dans ma chambre. Jusqu'aujourd'hui, moi je dors chez moi, mais je dors sur le canapé. Je ne dors pas dans la chambre, j'ai tellement peur de ma chambre. Je n'arrive pas à dormir dedans. Ouais, voici, elle commence le combat. Elle fuit encore le combat. Écoutez, vous avez l'huile de faveur. Rentrez, mettez l'huile dans le lit. Dieu vous a dit à montrer vos ennemis. Hein? Et la victoire sur eux, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Vous avez bien commencé, finissez bien. La Bible dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair. Mettez l'huile dans votre lit. Dites, c'est ma maison, ma propriété, je vous envoie en esclavage. Amen. Amen. Vous rentrez, faites ça, vous dormez dans votre lit. Amen. Votre quartier sait qu'il y a une puissance. Dans votre main, le sang de Jésus vous accompagne. Amen. Oui, papa, il y a de cela quelques jours, il y a une maman au quartier que je connais bien. J'ai rêvé d'elle, elle venait me lancer l'esprit de paralysie. Je me suis levé le lendemain matin, tous mes pieds me faisaient mal. Je n'arrivais pas parce à marcher. Après le rêve, les pieds ont commencé à faire mal. Oui, papa. After the dream, you began to have leg pain. Et quand mes pieds ont commencé à faire mal au lendemain, je suis venue ici à l'église puisque c'était la conférence des bienfaiteurs un mercredi. J'ai acheté mon huile de faveur, je suis rentrée. J'ai dit que, au nom de Jésus, j'utilise cette faveur. Je me tiens sur le manteau qui est dans la vue du serviteur de Dieu, le prophète Ekani. Que cette paralysie retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Dès que j'ai fini d'utiliser, je me suis couché, j'ai dormi et j'ai encore rêvé d'elle. Elle venait me dire que je vais te fouetter avant de mourir. Je dois te fouetter pour être en paix. Je veux tout seulement te fouetter. Et les gens la barraient la route pour qu'elle me touche. Mais je me suis retrouvée en train de la fouetter. Sauvagement et bien. Amen. Jesus. Personne ne te fera du mal au nom de Jésus. Amen. Tous les jours sur Zoé Chanel, les témoignages.